Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier de cuir Lomé, Togo. Voilà, je vous donne un message très fort. Je suis là depuis, lundi. C'est lundi 2 avril 2018. Voilà, avril 2018, aujourd'hui c'est le 4. Nous retournons, demain à Abidjan, par la grâce de Dieu. Nous sommes là justement à Lomé, juste... prier pour les bien-aimés, les soutenir en prière, et puis bon, par la grâce de Dieu, on a eu un programme bien sûr improvisé. Voilà, on a improvisé, et un pasteur nous a sollicité pour pouvoir, intervenir dans son église, donc on le fera aujourd'hui, tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Je vous dis déjà qu'il y a beaucoup de messages par inbox qu'on m'a envoyé, on appelle au secrétariat pour voir la confirmation. Effectivement, nous sommes à Lomé. Nous sommes effectivement allumés par la grâce de Dieu, mais c'est un programme bien restreint. Voilà, il fallait qu'on finisse nos programmes, prier pour des personnes qui nous ont fait venir ici. Voilà, donc on peut se déplacer pour des personnes dans les nations. C'est-à-dire on peut même partir, si vous voulez, au Mali pour une famille. On peut même se déplacer au Cameroun pour une famille. On n'a pas forcément besoin d'une grande croisade. Voilà, donc c'est les personnes qui décident de nous inviter. Et nous sommes convaincus par le Saint-Esprit de venir. Voilà, parce que c'est les personnes en détresse dans les nations qu'on nous sommes en train d'aider par la grâce de Dieu. C'est ça. Des personnes qui nous suivaient depuis longtemps et qui sont venues même au Togo. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur d'être là. C'est vrai que Togo, j'ai l'habitude de venir, c'est pas la première fois, je suis quand même habitué d'ici. Mais comme chaque voyage a, son identité, parce que cette croisade-là, c'est justement pour prier. Pour une famille. En même temps, le pasteur en profitait, le docteur Kodjo en profitait pour que nous puissions lui rendre visite ce soir. Donc, c'est ce qu'on fera ce soir, par la grâce de Dieu, on ira rendre visite au pasteur. Et puis, en profiter, dit au pasteur qu'il faut qu'on nous invite pour un grand programme sur tour Lomé. Voilà. Donc, c'est le début de quelque chose qu'on nous dit aussi. Il y a maintenant 3 semaines de cela à Cotonou, juste à côté au Bénin. Donc, on dit que, effectivement, cette histoire de sorcellerie touche les nations. Ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et que les gens sont victimes dans leur famille. Ils ne savent pas où mettre la tête. Heureusement que par la grâce de Dieu, Dieu nous a spécialisés. Et nos prières, c'est que dans les nations, Dieu suscite encore des gens qui ont encore plus d'onction, n'est-ce pas, pour pouvoir faire avancer, faire reculer le royaume de Satan. Voilà, faire reculer. Parce que je ne dis pas que le prophète a le monopole de la délivrance. Moi, je crois à la puissance de Jésus-Christ qui peut encore délivrer des gens. Mais il faut que dans les nations, les gens comprennent une seule chose. C'est ce qui réclame nos nations. Nos nations, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose que ça. Ne vous trompez pas. C'est la présence de Satan, n'est-ce pas? Quand on est descendu à Lomé, à l'aéroport Yassine Ben Déma, on a déjà vu des marques qui nous prouvent que Satan au contrôle. Satan contrôle cette nation. Quand on est descendu à Lomé, on a compris que Satan contrôle cette nation. Même en Côte d'Ivoire, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire et que vous rentrez en Côte d'Ivoire, dépassez le port Général de Gaulle, vous échangez, vous voyez directement de l'autre côté Sofitel, qu'on appelle l'ancien hôtel du Vol, vous comprenez, il y a le signe, le logo de la franc-maçonnerie. Donc, c'est pour dire, dans les nations, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, c'est nous, c'est comme ça. Donc, c'est pour dire, c'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a, c'est pas que ici, c'est partout dans nos nations, c'est écrit Gaïa, le signe de la franc-maçonnerie, l'œil. L'œil est Gaïa sur l'ancien qu'on appelle. L'hôtel Ivoire qu'on appelle Sofitel, c'est là. D'ailleurs, c'est le signe de la franc-maçonnerie. Est-ce que les gens ont oublié de mettre ce signe-là à la tête de l'hôtel Ivoire pour nous dire, c'est des choses qui peuvent nous interpeller pour dire, mais écoutez, les gens, ils sont là, hein, ils sont là, ils contrôlent la nation. Hein, ils contrôlent la nation. Frère, il faut que nous levons par la grâce de Dieu. Les nations ont besoin de connaître le véritable Jésus-Christ. Quand on dit véritable Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus qu'on prêche seulement, mais qui se démontre. Parce qu'il y a ça aussi le problème des gens. Et ils pensent que Jésus doit être prêché. Mais il s'y démontre. C'est ça. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas sur les discours. Il ne faut pas avoir discours. Laissez pas les discours. Dieu se démontre. Dieu c'est la force. Dieu c'est la puissance. J'ai toujours dit, sans la puissance de Dieu, je n'allais jamais venir à l'église. Moi, je n'allais jamais me convertir. Si Jésus n'était pas puissant, je fous quoi à l'église? J'étais déjà musulman. Si Jésus n'est pas puissant, je fous quoi à l'église? Aller m'asseoir pour chanter ensemble. Louvre le Seigneur, il est. Ça, c'est des conneries. Je suis malade. Sorcier veut me manger. Je vais chanter. Jésus m'a délivré. Voilà. Je suis chrétien. Aujourd'hui, je peux crier haut fort que Jésus est puissant. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des œuvres de la sorcellerie. Prêchons Jésus-Christ dans nos nations. Le problème des prophètes, ce n'est pas un problème. Les gens disent, ah, les prophètes, leur. Non, nous sommes autant des prophètes, frères.
C'est le temps des prophètes. Il y a eu le temps des pasteurs, il y a eu le temps. À chaque époque, il y a son temps. Nous sommes au temps des prophètes. Aujourd'hui, la technologie avancée, le monde, aujourd'hui, veut voir des preuves. Arrêtez de conneries. Les gens veulent voir des preuves. Donc, ce n'est pas les prophètes que Dieu parle pour parler. Voilà. S'il y a des prophètes qui vous ont anarqué, s'il y a des prophètes qui vous ont fait des conneries, il y en a vrai. Il y a aussi des vrais. Dans toutes choses, il y a des faux, il y a des vrais. Frère, on a besoin des prophètes. Ce n'est pas parce que les prophètes vous ont créé des problèmes que vous pensez que le problème de l'Église, c'est les prophètes. Vous commettez une grande erreur. C'est comme vous êtes en train de dire à Dieu, tu as eu mal de mettre les prophètes parmi les 5 ministères. Non. Chaque ministère a sa particularité. Un prophète fait son rôle. Il peut avoir des infiltrés dans la corporation. Des infiltrés dans la procuration. Ça, on n'en dit pas. Donc, voilà. Même parmi, dans le gouvernement, partout, dans tous les domaines, il y a toujours des faux. Frère, pour dire, nous sommes à l'heure des prophètes. Il faut que Dieu suscite des prophètes dans nos nations pour s'adresser aux nations, pour parler aux nations. Oui, il faut des gens pour parler aux nations. Nos nations, aujourd'hui, les nations africaines, aujourd'hui, ne peuvent pas parler face à l'esclavage colonial. On a embrigandé dans un système où aujourd'hui nos présidents sont dans la franc-maçonnerie, bien que les gens nous commandent. Mais en même temps, ils sont embrigandés dans un espèce de sorcellerie déguisée. Donc, dans les loges, ils ne vendent que les nations à Satan. C'est cela que nous devons faire front, des pasteurs que nous sommes des hommes de Dieu, pour attaquer la sorcellerie. Vous prêchez quoi dans vos églises? Parler de Jésus-Christ dans les nations. Nous devons parler de Jésus, non seulement Jésus, et nous devons faire reculer le royaume de Satan, là où il y a la présence des ténèbres. Frère, c'est la pauvreté, parce que la sorcellerie est anti-développement. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas d'avancée. L'Afrique est riche en sous-sol. L'Afrique est riche, il y a tout en Afrique. Mais hélas, regardez, c'est les autres qui exploitent. C'est comme ça la sorcellerie. Les autres qui exploitent nos biens, ça va ailleurs. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Vous ne me dites pas le contraire. Tout le monde en vit. Aujourd'hui, la dite un blanc, dites à la France, déménagez, venez en Afrique. Ils vont le faire immédiatement. Il n'y a rien en France. Il n'y a pas le sous-sol français, n'est rien riche. Le sous-sol européen n'est pas riche. Le chocolat, le cacao vient d'ici. Le caoutchouc vient de l'Afrique. Uranium, le fer, ça vient d'où? L'or vient d'où? Manganèse vient d'où? Frère, nous avons un continent, gloire à Dieu. Moi, je suis fier d'être un Africain. Je suis désolé. Je suis fier, je suis panafricaniste. Mais pas politicien panafricaniste négatif. Moi, je suis panafricaniste parce que j'aime l'Afrique. Voilà, donc je ne suis pas ce jeu-là qui vient insulter les gens sur les réseaux sociaux. Non, je suis panafricaniste parce que je suis africain. Je suis fier d'être africain. Je le suis, je l'assume. Dieu a eu raison de me mettre là. Mais je combats pour mon continent qu'on a fait l'Afrique. Le problème, c'est la sorcellerie. Et tout Africain, notre naissance, nos cultures, c'est dans la sorcellerie. On nous a mis au monde dans le fétichisme. C'est ça notre première religion qu'ils ont trouvé avant le christianisme. Nos parents, ils faisaient le fétiche avant, après le christianisme est venu après. Donc pour dire, c'est ce qui met l'Afrique en état. Il faut que nous prêchions Jésus-Christ vivant et ressuscité. Arrêtez, je prêche, je suis docteur en théologie, et alors? Et alors? Ça ne suffit pas. Les gens sont possédés dans les églises. Les sorciers les ont attachés, ils veulent les manger. Ils vont les manger. Ils vont les manger. Vous dites quoi? Les sorciers sont en train de manger, les gens sont dans les églises, les gens ont des vies bizarres. Je précise très bien bizarre. Jésus-Christ, c'est la solution. Les gens disent non, on ne vient pas à Jésus-Christ, on vient seulement pour le salut. Je suis désolé. L'apôtre Paul a posé, Pierre a posé la question à Jésus. Nous te suivons, nous gagnons quoi? Frère, si le suis là, il gagne quoi? C'est lui qui va construire une maison. Moi, je n'ai pas vu le ciel, mais je gagne quoi quand il le suit? S'il y a richesse, je le suis. S'il y a guérison, je le suis. Le ciel seulement, je n'ai jamais vu le ciel. Pourquoi je suis Jésus bêtement? Hein? Les sorciers sont en train de manger les gens. Elle la sauce à demain. On les moyen sauce à demain, bien bruyant ici. À Lomé, ils sont témoignés sauce à demain. Alors, à Kassa. Il faut que Dieu délivre les gens. Il faut que Dieu délivre les gens. On suit Jésus-Christ. Il a le salut en lui. Il y a lui. Jésus, c'est une assurance vie. Il y a tout en Jésus. C'est un paquet. Oui, il y a tout. Il y a le ciel, non seulement le ciel, mais il y a aussi des bienfaits. Qui est la richesse, n'est-ce pas, qui est aussi, parce qu'il faut travailler. Quand tu travailles, tu veux être béni dans ton travail. Mais c'est vrai, parce que la pauvreté, c'est une malédiction. Ne vous plaisez pas dans la pauvreté. Attends, nous sommes riches en sous-sol, mais nous n'en bénéficions, nous sommes pauvres à cause de la présence de Dieu dans notre vie. C'est ça le problème de l'Afrique, le manque de la présence de Dieu. Hein?
Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis là à Lomé pour vous dire, je suis très content d'être ici à Lomé par la grâce de Dieu. Le peuple togolais, un peuple très accueillant, comme je le suis expérimenté à Cotonou. Voilà. Nous avons fait front pour chasser les vaudous. Des vaudous. Vous, les vaudous, là, ça veut dire fétiche. Vous êtes au Bénin. Depuis quand Bénin a pris Coupe du Monde? Depuis quand Bénin a pris Coupe d'Afrique? Les petits trucs avec la Côte d'Ivoire, là, vous ne gagnez pas. Et puis vous dites que vous êtes fort. Comment dans un pays, on poursuit un enfant, on veut l'attraper pour l'égorger? J'ai vu ça dans les films, dans les trucs. On attrape un enfant, on le prend pour aller le sacrifier à des idoles. Comment un pays peut avancer dans le fétichisme? Il y a une journée spéciale vaudou. Ça vous apporte quoi, vous, là? Ça fait quoi, la nation? Les vaudous, ça fait quoi à vos pays? Cotonou, Bénin. Ça fait quoi à tout? Regardez leur état. Et puis vous suivez encore ces conneries là, vous êtes dans des conneries. Des trucs bêtes. C'est des trucs bêtes. On vous demande le sang humain, vous êtes encore. Mais attends, vous êtes. On est au Moyen-Âge ou bien? Ça, c'est des trucs d'avant. Aujourd'hui, les gens veulent évoluer. Nos amis construisent des avions. Nos amis sont en train de faire des usines. Nous sommes dans des conneries. Arrêtez tout ça. Jésus est Seigneur. Le fétichisme ne peut pas nous apporter le salut. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Et c'est cela qu'il faut des grands ministères, des ministères de pointe, les ministères dans lesquels Dieu se manifeste. Donc arrêtez de dire, nous on prêche au moins. Mais moi, je sais prêcher la parole de Dieu. Mais je sais aussi démontrer la puissance de Dieu. Amen. Voilà. Je sais aussi démontrer la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions. Il dit, vous recevez mes... Et à mon nom, vous chasserez les démons. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais alors, il n'a pas dit seulement aller prêcher seulement. Il dit, vous allez guérir les malades. Vous allez chasser les démons. Donc, la prédication qui n'est pas accompagnée de miracles, s'il te plaît, stop, va chercher l'onction. Amen. Notre époque a besoin de l'onction. Notre époque n'a pas besoin de blablabla. Et puis, tu prêches, le gars, il dort. Aujourd'hui, les sorciers sont dans les églises, ils font mourir des gens. Il leur donne son minifère, il dort. En plein culte, il dort. Il dort en plein culte. Une église où il n'y a pas de l'onction, les gens dorment. Malgré la prédication de pointe que le pasteur prêche, le gars, il dort. Nous avons besoin de l'onction. L'onction, c'est un genou ici. Ton pied ne peut pas te conduire partout, mais ton genou là, peut t'emmener dans les endroits où ton pied ne peut pas t'envoyer. Amen. Ton genou peut t'envoyer dans les endroits où ton pied ne peut pas t'envoyer. Le genou, c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu es constamment dans la présence de Dieu, là où tes pieds ne pourront pas t'envoyer, ton genou peut t'envoyer là-bas. Amen. Nous sommes venus vous prêcher le véritable Dieu qui n'est pas dans le vaudou, qui n'est pas dans le mysticisme, qui n'est pas dans le fétichisme, mais qui est capable de vous délivrer, qui est capable de vous restaurer, à jeter votre histoire de vaudou. C'est des conneries. Amen. Shalom. Que Dieu bénisse. Amen.